Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Qu'en êtes-vous? J'espère que ça va chez bien, chez tout le monde. Oui, Henri Emmanueli Asepi. Bonsoir, mon frère. J'espère que ça va. Aline Asagou. Bonsoir, ma soeur. J'espère que ça va. Damien Bouchard. Bonsoir, mon frère. Fatim Ouattara. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous? Voilà. Donc, on va parler un peu. On ne va pas trop durer. On ne va pas trop durer. Ce n'est pas une vidéo pour durer. Mais on va souligner les mots de la politique menée par Sangaré. Et nous remercions le PDCI et Pascal Afiongessan pour leur bravoure et leur vision. Pour leur bravoure et leur vision. Nous les remercions fermement. Oui, on les soutient fermement. C'est très important. Sans eux, le peuple ne pourra rien gagner. Guy Michel Oyoro, merci beaucoup. L'amour est partagé. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien, j'espère. Amadou Meite, bonsoir mon frère. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien depuis vos positions. J'espère que ça va bien. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Et à tout le temps, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis gay complet. Alors, nous sommes devant cette caméra pour parler un peu du cas de Samba David. Vous savez, Samba David n'est pas parti en prison pour ne rien. Il est parti en prison par le biais d'Abdourahmane Sangaré. C'est lui qui l'avait envoyé de faire les manifestations en Côte d'Ivoire, sachant bel et bien que toutes sortes de manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire. Et le jour où il devrait faire les manifestations, cette manifestation, l'État ivoirien avait refusé que cette manifestation ait lieu. Malheureusement, Sangaré lui a demandé d'aller coûte que coûte. Et il est parti, il avait été arrêté. Et il a été libéré il n'y a pas si longtemps. Ce jeune, il ne se sent pas bien. Il est enflé. Il est à la maison, il souffre. Mais le FPI l'a abandonné. Sangaré qui a envoyé ce jeune-là, il l'a abandonné sans voir David. Il souffre seul. Il a fallu une cotisation de la part de la jeunesse ivoirienne pour lui venir en aide. Est-ce que c'est normal? Vous ne pouvez pas envoyer la jeunesse à l'abattoir. Et quand cette jeunesse a un problème, vous abandonnez cette jeunesse. Et c'est ça que vous appelez politique? C'est ça là? À quoi ça vous voulez rester toujours des radicaux? Mais quand on est radical, est-ce qu'on a des soutiens, des gens qui vous soutiennent? Mais si ces gens qui vous soutiennent ont des problèmes, mais en retour, aidez ces gens-là. Mais tu ne peux pas décider d'être un radical et conduire les enfants des autres à l'abattoir. Et quand ils ont un problème, tu les abandonnes, M. Sangaré. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une politique. C'est-à-dire, quand tu fais une politique, c'est que tu as les moyens de ta politique. Quand tu es radical et que tu ne veux aucune négociation et que tu ne veux pas une participation au jeu électoral de la part du peuple ivoirien et de ta propre part, alors il faut aussi réserver les moyens parce que de la manière que tu manipules ce peuple ivoirien, si le peuple te suit et que le peuple a un problème, il faut aider ce peuple à surpasser ce problème. Mais Sangaré ne le fait pas. Sangaré abandonne tout le monde. Hein, il te conduit, il te pousse, il te fait nourrir d'une idée radicale. Et quand tu épouses cette idée pour faire la politique de Sangaré et que tu as un problème, tu ne verras jamais Sangaré. Il t'abandonne et tu es livré à toi seul. Je pense que ce n'est pas bien. C'est anormal. Et ça, on doit condamner ça. Samba David, normalement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une bonne médecine. On devrait le prendre pour l'amener au Maroc. Pour le traiter. Traiter son cas, soigner ce jeune. On doit prendre Samba David pour l'amener au Maroc, pour bien le soigner. Comme ça, il va retrouver sa santé. Maintenant, il est en Côte d'Ivoire, là-bas, chez ses parents. Il souffre, il n'y a aucun soutien. Et quand il va mourir, ils vont mettre rip, rip. Et ils vont lutter pour aller à son funérailles.
Ils vont même interdire à d'autres personnes. Non, 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 n'allez pas enterrer Samba Dabi. Ils vont chasser les Prouafis là pour dire que les Prouafis ne sont pas les bienvenus aux funérailles ou bien à l'enterrement de Samba Dabi. Mais pourquoi vous pouvez avoir une telle vision noire? Ce n'est pas normal. Et donc, je pense que les membres qui sont autour de Sangaré, ils vont dire à Sangaré de revoir. Parce que Samba David, là, quand il est sorti, lui, il s'est rallié à Sangaré. Donc, nous demandons à Fille de ne même pas dépenser un franc pour le soigner. Parce que quand à un moment donné, tu es ingrat et que tu n'es pas reconnaissant, mais personne ne peut t'aider. Parce que tous ceux qui ont été emprisonnés, et quand ils sortent, ils se rallient à Sangaré. Sachant bel et bien que Sangaré ne fait rien pour eux, il les abandonne et ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, nous demandons à Fille de ne même pas dépenser un franc sur Samba David. Il n'a qu'à, comme il a choisi Sangaré, là, il n'a qu'à venir demander à l'argent à Sangaré. Mais comme c'est un frère ivoirien, et son cas me fait mal, raison pour laquelle je parle de lui, pour dire Sangaré et ses amis qui ont poussé ce jeune à subir la prison, ils ont poussé ce jeune et Ouattara l'a mis en prison et il a subi des conséquences. Donc, il est malade. Sangaré et tes amis, prenez l'argent, dépensez, soignez ce jeune. Ce n'est pas au village, il va aller s'asseoir. Ce n'est pas dans la maison de sa mère, il va aller s'asseoir pour souffrir seul. Vous devez dépenser, l'amener hors du territoire ivoirien pour être bien traité. Comme ça, il va retrouver sa vraie santé. Afin de retourner sur la scène politique ivoirienne. Vous ne pouvez pas l'abandonner, il va mourir à petit feu. Ce n'est pas normal de la part du pays du Sangaré. Maintenant, je vais profiter pour m'adresser au peuple de l'Ouest, à mon peuple de l'Ouest, les bétés, les gourous, les ouais, les guéris, les goûts, les gagous, les attiers, y compris le peuple du Sud, les abels, les wobels, je ne sais pas, tout ce peuple, qu'est-ce que vous voulez? Vous suivez la politique des Sangaré? Regardez la politique des Sangaré. Hier, on vous avait demandé d'aller vous faire enrôler pour voter. Non, Sangaré a dit de boycotter. Vous avez boycotté. Vous écoutez Sangaré. Ce que Sangaré vous dit, vous exécutez. Maintenant, vos régions là, sont dirigées par des nordistes. Quand on parle de ça, on dit non, nous sommes xénophobes. Non, nous ne sommes pas xénophobes. La politique de Sangaré, là, ça ne fait que djoulaboutiser vos régions. De l'ouest, l'est, du centre et du sud. Ils sont là transformer vos régions en djoulaboukou. Et c'est eux qui vont diriger ces régions-là. Puisque vous êtes dans des rêves, vous dormez et vous suivez Sangaré sans calculer. C'est-à-dire la politique et la position de Sangaré, ce qu'il fait comme politique, ça met en danger aux régions du nord. Non seulement à l'ouest là-bas, là, on a un problème de terre, de terrain. Vous ne voyez pas la scène? On a un problème. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne nous gouvernent pas d'abord. Ils ne sont pas encore maires, ils ne sont pas encore députés, ils ne sont pas encore préfets là-bas, avant. Et puis, ils luttaient terrain, ils nous arrachaient les terrains, ils nous chassaient. Maintenant que Sangaré leur a donné ce plan sur un plateau d'or, mais ils sont tout heureux. Parce que c'est eux qui sont maintenant maires, c'est eux qui sont députés, c'est eux qui sont préfets. Mais tu vas dire quoi? Ils vont t'arracher ta terre et puis tu vas aller quoi? Tu vas aller dire quoi à la justice? Mais tu vas à la justice, ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Puisque Sangaré t'a demandé de rester à la maison. Mais eux là, ils vont occuper les places stratégiques. Ils vont occuper les places stratégiques là-bas, chez toi. C'est comme si toi, tu es dans ta maison. Et c'est quelqu'un d'autre qui quitte là-bas, qui vient être le père de famille de ta propre maison. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais quand Sangaré vous demande de rester à la maison, de ne pas bouger à cause de Gbagbo, parce que Gbagbo a lâché le pays, Gbagbo, tant qu'il ne revient pas, alors, il n'y a pas d'élection. Vous trouvez cela logique et vous restez à la maison. Pendant que vous restez à la maison, ceux du Nord, ils vous envahissent. Ils prennent les coins, les postes stratégiques pour vous dominer. Non seulement ils sont au pouvoir, ils sont à la présidence. C'est eux, président de la République, ministre et tout. Ce sont eux qui sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Le commerce, ils ont déjà occupé tout. Maintenant, les petits sièges que nous, on devrait occuper, Sangaré vous demande de ne pas lutter ça avec eux, mais de rester dans vos maisons pour manger Plakali Foutou, pour manger du riz, pour manger Biokoso. Et que quand Gbagbo va venir, il va les chasser. Mais vous rigolez. Cela, encore, ça va encore amener une autre crise. Parce que vous les favorisez.
Vous les favorisez. Donc, avec le temps, ils vont avoir un gros yeux rentrés dans nous. Ils vont dire, c'est eux-là qui vont. Et ils vont encore tricher là-bas. Ils vont toujours nous dominer là-bas. Et on aura nos gros yeux pour pleurer. Et ici, là, c'est pas pour vous. Pourquoi vous voulez devenir maire, député? Mais puisque on leur a permis de devenir maire et député, mais ils vont toujours devenir des maires et des députés. Et on ne va rien faire. Et là, où quand toi, tu vas quitter ici pour aller au nord, pour pouvoir devenir député ou maire, toi-même là, ils vont te chicoter. Lors de ta campagne, là, ils vont te botter bien. Parce que chez eux, là, tu ne peux pas quitter chez toi pour aller devenir maire ou député ou préfet. Tu ne peux pas, même dans ton rêve, tu ne peux pas. Mais eux, là, ils quittent chez eux, ils deviennent chez toi maire, préfet, député. Et toi, tu es muet parce que Sangaré dit il faut exécuter ça. À un moment donné, quand on aime quelqu'un, même si tu aimes Sangaré, là, il faut savoir que la politique de Sangaré ne nous arrange pas. Sangaré ne fait pas une bonne politique. Sa politique rend les gens de l'Ouest feignants. Ça les rend paresseux. Sa politique permet aux membres du RHDP pro Alassane Ouattara, précisément les Diola de Côte d'Ivoire, d'envahir les régions de l'Ouest, du Sud, de l'Est et du Centre. Ça leur permet de... Ils sont là nous coloniser. Et si on ne fait pas attention, ils vont islamiser toutes ces régions. Mais oui, c'est petit à petit. Ils vont islamiser et multiplier les mosquées. Parce que quand un maire est là quelque part, il va dire, bon, je construis 3 mosquées dans cette région. Le député va dire, bon, moi aussi, je vais construire 4 mosquées dans cette région. Et petit à petit, ça va devenir des territoires de mosquées partout. À l'ouest, à l'est, au sud, au centre. Mais qui va favoriser ça? Mais ce sont les Sangaré. N'oubliez pas Sangaré lui-même. Il fait partie du clan. Et donc, faut pas, il va utiliser le nom de Gbagbo pour vous berner. Gbagbo, oui, vous aimez Gbagbo, oui. Mais sur le terrain, là, vous ne remarquez pas qu'il y a des failles. Vous ne remarquez pas que les gens du Nord, ils sont envahis les régions de l'Ouest. Lida Kwasi qui dénonce. Moi, pourquoi je n'ai pas été avec d'accord avec Lida Kwasi? Parce que lui, il est capable de dire à Sangaré que ta politique que tu as fait, là, voilà ce que ça nous a apporté. Ça fait que les régions, même Gagnoua, même là, Gagnoua chez les BT, qui crie sur tous les toits là. C'est un petit Diola qui les gouverne là-bas. C'est lui qui leur donne des ordres. Donc votre ville là, Gagnoua là, ça est dans la main d'un Diola. S'il veut développer, il développe. S'il ne veut pas développer, il ne développe pas. S'il veut construire 10 mosquées, il va les construire. Et puis ça ne va nulle part. C'est lui qui est maire. C'est lui qui construit ce qu'il veut dans la ville. Puisque c'est sa ville, il gouverne la ville. Il est le maire, il est le patron de la ville. C'est lui qui va dire, bon, chaque dimanche ou bien chaque vendredi, là, les femmes qui vendent dans les boutiques ou bien au marché, là, les femmes bêtées, là, billets de votre vente, c'est un ticket, là, vous devez payer au moins 5 000, tu ne payes pas, tu ne vends pas. C'est lui qui va décider, il est le maire. Ce n'est pas un bêté qui va décider. Pourquoi il va décider pour toi? Pourquoi ce n'est pas un bêté qui va décider à ta place? Est-ce que c'est un petit Diola du Nord qui va décider à ta place? Parce que Sangaré t'a dit, faut pas être bêté, va être maire là-bas. Et donc, Sangaré t'a berné. Et dans ça, là, pendant qu'il te vend certaines idées, il te dit, Gbagbo, ne fais aucun geste, reste l'autre. Il profite. Et le nordiste qui soutient Ouattara, lui, il profite et il prend le terrain. Il occupe le terrain. Pendant ce temps, toi, tu danses. Et tu mènes une lutte. Quelle lutte? Si tu n'arrives pas à contrôler ta propre région, quelle lutte tu mènes? Parce que c'est ça aussi. Il faut contrôler ta région. Il faut influencer ta propre région. Mais tu laisses quelqu'un d'autre venir influencer ta propre région. Et tu me dis, tu mènes une lutte. Mais c'est honteux. Aujourd'hui, BT va dire, non, Gagnoua, ce n'est pas pour toi. Gagnoua, c'est fini. Gagnoua, ce n'est plus pour les BT. Parce que si on dit le représentant de Gagnoua, le patron de Gagnoua, le maire, parce que le maire, ou bien les députés de Gagnoua, qui, le député, il représente le peuple, mais le maire, il représente la ville et les habitants de cette ville. Donc, si on dit le représentant de cette ville de Gagnoua, là, mais c'est un petit Mamadou qui va venir. Il va dire, oui, c'est moi. Est-ce que Mamadou est bêté? Non. Il vient où? Il vient d'où? Du nord. Mais pourquoi il est maire là-bas? Mais Sangaré t'a dit, il n'a qu'à être maire. Donc, il est maire. Pourquoi? Parce que Sangaré t'a dit, toi, bêté, il faut boycotter. Donc, tu as boycotté. Donc, les petits Diola qui sont dans la ville de Gagnoua, même s'ils sont 2-3, eux, là, ils ont placé un petit Mamadou là-bas. Et ce petit Mamadou que les trois Diola, 4 Diola, ou bien 5 Diola ont placé là-bas. Lui, là, il va diriger tous les petits. Tu veux ou tu ne veux pas, il va te diriger. Voilà le vrai problème. Donc, à un moment donné, tu peux aimer Sangaré.
Mais il faut être à mesure de lui dire, Sangaré, ce que tu fais là, ce n'est pas une bonne politique. Je suis avec toi et ton idéologie. Mais ce que tu fais là, là, on n'est pas d'accord. Même si tu es un ami fidèle, ton ami, tu as grandi avec lui, vous avez tout fait ensemble. Mais tout ce que ton ami fait là, tu ne peux pas être d'accord à 100%. À un moment donné, il dit, il doit avoir des désaccords entre toi et ton ami. Tu dois être à mesure de lui dire, mon frère, non, 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 ça, je ne suis pas d'accord. Ça amène aussi les petits, les petites histoires entre amis. Amis, ou bien les frères. Parce que tu ne peux pas être d'accord toujours avec tes propres frères sur tous les points. Quand tu es comme ça, c'est que tu n'es pas un être humain. Vous devez avoir des idées divergentes. Sur des points, vous pouvez avoir des idées communes. Mais d'autres points, vous pouvez avoir des idées divergentes. Mais du coup, où tu es toujours d'accord, c'est que toi, tu ne raisonnes pas. Il raisonne à ta place. Qui t'a dit qu'on est militant, on ne redresse pas le leader? On redresse le leader parce que le leader aussi a besoin des idées du militant. Mais si tu suis le leader bêtement et que tu es capable de dire au leader, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Le leader, c'est parce qu'il ne peut pas tout connaître, raison pour laquelle il prend des conseillers. Et les conseillers, là, eux aussi, là, ils ne peuvent pas tout connaître. Donc, il y a aussi les militants. Donc, les militants, ils peuvent apporter leur grain de sel. Mais si vous laissez le leader avec ses conseillers, pensant que les conseillers, le leader, ils vont tout faire ensemble. Non, non, ils n'ont pas le monopole de l'intelligence planétaire avec eux. Ils raisonnent comme vous. Ils raisonnent comme vous. Ils peuvent aussi faire des erreurs comme vous. C'est comme une classe de 50 élèves. Dans la classe, il peut y avoir des élèves brillants et des élèves non brillants. Mais est-ce que cela veut dire quoi? Ils sont dans la même classe. Le premier de la classe à qui vous faites confiance pour dire, lui-là, il a fini ça, lui-là. Non, il va voir son examen. Le jour de l'examen, il perd. C'est vrai, il perd. Et puis le dernier, là, lui, il tape son examen. Donc, il ne faut pas négliger quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il est le premier et que vous pensez qu'il est trop intelligent que c'est lui qui va raisonner à votre place. Sinon, si vous le laissez raisonner à votre place, lui seul, et qu'il prend toutes les décisions, le jour où il y a un examen et que vous dites, bon, lui, on lui fait trop confiance, il va passer pour nous. Mais le jour où il tombe, le jour de l'examen, il chute là, vous tous, vous allez échouer. Puisque vous lui avez confié votre avenir, à un moment donné, même si l'autre est fort, l'autre n'est pas trop fort, mettez-vous ensemble et prenez une décision finale. Quand vous êtes nombreux, avec une vision, vous pouvez aller de l'avant. Mais du coup, vous confiez votre avenir à un individu, pensant que cet individu, il est le plus sage de tous les individus. Non, le sage ne peut pas avoir raison sur tout. Raison pour laquelle souvent le premier de la classe, il peut devenir le dernier lors d'un examen ou en cherchant le diplôme. Il peut devenir le dernier et le dernier peut devenir le premier. Il peut avoir son examen. C'est très important. Vous devez faire très attention. Mais Sangaré, quand il vous parle, vous le suivez. Sangaré ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo, oui, Gbagbo ou rien. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Gbagbo ou rien, on est d'accord. Gbagbo ou rien. Vous voulez Gbagbo, Gbagbo ou rien. Mais sur le terrain là, ce qui se passe là, vous ne voyez pas ça. Le terrain a ses réalités. Et le fait de dire Gbagbo ou rien a ses réalités. Gbagbo ou rien a ses réalités, le terrain a ses réalités. Pendant que tu cries Gbagbo ou rien et Sangaré te dit, il faut crier Gbagbo ou rien. Pendant ce temps, les Djoula occupent le terrain. Ils envahissent le terrain. Et après, tu t'en rends compte, tu dis, mais pourquoi à Gagno là-bas, c'est un petit Mamadou qui est maire. C'est un petit Kone qui est député. C'est un petit truc, Bakari qui est préfet. Mais mon frère, tu dansais Gbagbo ou rien. Donc, tu étais aveuglé à Guitrozon, où ils ont tué, c'est-à-dire à l'ouest, où ils ont massacré des gens. Vous laissez encore ceux qui vous ont massacré devenir encore des maires pour vous diriger encore là-bas. Et c'est eux qui décident pour vous. On est dans quel pays là? Et vous êtes incapables de dire ça. C'est-à-dire, nous, quand on critique Sangaré, comme nous, on ne sait pas critiquer doucement, on tape fort. Et quand on tape fort, on dit on manque de respect aux grands. Mais non, c'est parce que nous voyons ça, ça nous fait tellement mal. Et que quand on parle, on ne pèse pas nos mots. Et on tape du même. Bon, vous qui nous regardez, vous n'essayez pas analyser nos propos et comprendre là où on veut en venir. Donc, du coup, nous devenons vos cibles. Et donc, vous commencez à nous insulter sans comprendre les messages que nous voulons faire passer. Mais c'est ça que nous voyons depuis le début. On a dit, Sangaré, il ne fait pas une bonne politique. Il faut participer. Ne demandez pas aux gens de boycotter. Voilà, élection arrive. Bété ne peut plus aller voter parce que Sangaré a dit qu'ils n'ont qu'à boycotter. Bon, ils ont boycotté. Bété ne peut plus aller voter. On a pété Djoula. Ouattara a donné même papier à d'autres. Ah oui, 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 il a partagé des documents à d'autres personnes. Il a partagé des documents.
Et ces petits à qui il a partagé les documents, il les a envoyés même à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour renforcer la popularité du RDR. Pendant ce temps, le BT, il danse aux Zigribiti. Il suit Sangaré. Pendant ce temps, les gens, ils suivent Marie-Odette Lourignon. En ce temps, Ouattara, lui, il s'organise. Il fait venir des petits, il leur donne des documents, il dit, allez-y, habitez à Gagnoua. Toi, va habiter à Guitrozo. Toi, à Kouibri. Toi, à Divo. Toi, à Lakota. Et il les a partagés là-bas. Ils sont remplis là-bas comme ça. Et maintenant, pour encore vous exterminer, il propose maintenant des candidats du Nord. Il dit, toi, tu es le candidat d'ici en tant que candidat du RDR, RADP de Ouattara. Et il les propose là-bas. Puis Sangaré a dit, ils n'ont qu'à boycotter. Bon, les autochtones eux-mêmes, là, ils n'ont plus de documents pour aller voter. Donc, ils sont contraints du choix que les pro-RDR vont leur imposer. Et là, ils vont faire quoi? Ils seront obligés de crier. Non, c'est anormal, mais il y a eu élection. Ils vont dire il y a eu élection. Et l'élection a été transparente. Donc, lui qui a eu, c'est lui. C'est Mamadou qui a gagné là-bas. Donc, il est votre maire. Vous voyez que un moment donné, quand on fait la politique, il faut raisonner. Les bêtises de Sangaré, ça ne peut pas aider le FPI. Les bêtises de Sangaré encouragent le RDR à coloniser. C'est une sorte de colonisation. Ils sont là à coloniser les gens de l'Ouest. Ils sont là à coloniser et ils sont là à renforcer la popularité du RDR. Le jour où un membre de l'Ouest va vouloir se révolter, mais les membres du RDR vont le mater. Pourquoi? C'est la stratégie de Ouattara pour empêcher les gens de l'Ouest de pouvoir faire truc, de se révolter. Donc, quand il met les préfets, les sous-préfets, les maires et les députés à tant que des nordistes, mais quand tu veux faire tes documents, tu vas où? Tu vas à la sous-préfecture. Et là-bas, là, c'est le préfet. Hein? C'est le sous-préfet. C'est le sous-préfet qui signe tes documents. Donc, le fait de positionner des petits nordistes là-bas, là, il va envoyer les étrangers là-bas. Il va dire, sous-préfet, il faut signer des documents. Dans les documents, ils vont devenir autochtones, eux aussi. Le jour où ils vont vouloir, les autochtones même vont vouloir se révolter, là, ceux-là, ils vont s'occuper d'eux. Ils vont les maîtriser là-bas à l'Ouest. Et voilà la politique que le RADP mène. Pendant ce temps, Sangaré vous fait endormir. S'il vous plaît, peuple de l'Ouest, réveillez-vous. Vous pouvez avoir la haine contre Afi. Vous pouvez avoir la haine contre Bédier. Vous pouvez avoir la haine contre tous ceux que vous traitez de traître. Mais eux au moins, ils voulaient faire quelque chose. Quelque chose pour ne pas vous imposer les gens du Nord chez vous. Au moins, eux, ils voulaient vous proposer les ressortissants de vos propres régions. C'est-à-dire, si Afi, il proposait un petit BT série, ou bien un petit BT tricot, je ne sais pas, Grégoire ou Lazare. Ce BT-là, il n'est pas un nordiste. Même si Afi est traître, mais c'est votre frère. Donc, votre frère-là, il ne peut pas venir vous coloniser là-bas chez vous. Sur votre propre territoire, il ne peut pas vous coloniser. Et vous pouvez lui parler directement. Mais tu as parlé mal à Mamadou, mais Mamadou va te créer des ennuis sur ton propre territoire. Hey, ta propre maison, la Mamadou vient te gouverner et tu vas lui parler mal, mais il va te créer des ennuis et tu oublies. Voilà les vrais problèmes. Donc moi, je félicite Henri Konan Bédié parce que voilà quelqu'un qui a compris. Lui, au moins, c'est un candidat qui propose du PDCI RDA à Gagnoua dans les régions où le PDCI veut se présenter. Le PDCI n'a pas pris des baoulés. Le PDCI a pris les ressortissants de ces régions-là. C'est-à-dire, si c'est Gagnoua, là, le PDCI propose un candidat BT. Si c'est Trico Yamsoukro, il propose un candidat baoulé. Si c'est Divo, à Divo, là, il propose un candidat BT, Trico Dida. Si c'est Alakota, il propose un candidat Dida aussi. Si c'est Soubré, il propose un candidat BT. Si c'est à l'ouest, au fond, là-bas, Fresco, il propose un candidat Godier. Et c'est comme ça Bédié a décidé de faire. Même si vous ne l'aimez pas, lui au moins, il respecte l'intégrité territoriale des gens qui y vivent. Donc, il respecte ceux qui vivent sur le territoire. Voilà, il respecte les territoires des uns et des autres. Tu viens d'Abidjan, il va prendre candidat les habitants d'Abidjan, là, comme on les appelle. J'ai oublié le nom, mais c'est ce dernier-là, il va proposer comme candidat.
Attends que maire, attends que député de trucs, je ne sais pas, comme Abidjan, il y a plusieurs communes, il peut proposer, voilà, plusieurs communes, il peut proposer des gens différents. Vous comprenez? Mais Sangaré, voilà, le pays ne va rien avoir là, dans tout ça. Là. Or, là, là, 2020, là, c'est maintenant, il faut préparer la bataille, il faut préparer le terrain. Or, le terrain est en train d'échapper aux membres du FPI. Et vous espérez prendre le pouvoir en 2020. Vous espérez arracher le pouvoir à Ouattara. Pendant ce temps, Ouattara a déjà occupé tous les terrains de l'Ouest. Il a déjà envahi, il a colonisé l'Ouest. Il a mis la main sur l'Ouest. Parce que qui contrôle les mairies, qui contrôle la sous-préfecture, qui contrôle la préfecture, les institutions des différentes régions, c'est que c'est lui-là qui domine les régions. Donc Ouattara domine déjà les régions de l'Ouest. Et vous attendez un miracle. Le problème, c'est Sangaré. Vraiment, c'est regrettable, mais ça me fait mal. Depuis ce jour-là, il n'y a pas un petit bété qui a compris pour interpeller Sangaré, pour dire, ah, nous, on déteste sa fille, mais toi aussi, Sangaré, là, ce que tu fais, là, on n'est pas d'accord avec toi. Parce que tu nous as fait endormir et nous ne sommes pas d'accord. Au lieu de dire ça à Sangaré, personne ne dit ça à Sangaré, personne ne rappelle ça à Sangaré et tout le monde suit Sangaré. Parce que le fait de dire, je soutiens Gbagbo, Gbagbo ou rien, je suis le gardien du temple, pour vous, ça suffit. Ce n'est pas le gardien du temple hein, qui va respecter votre honneur dans vos régions, dans vos villages. Il est gardien du temple. Cela n'honore pas vos honneurs. Cela n'honore pas vos territoires. Pour honorer vos territoires, pour être bien représenté, pour ne pas être marginalisé, il faut que ton ethnie soit représentée là-bas, dans les bureaux. Au moment où une autre ethnie qui quitte ailleurs, qui vient se représenter dans les bureaux qui t'appartiennent, qui sont sur ton territoire, mon frère, il faut comprendre que tu as perdu ton sens. C'est la même chose. La France quitte chez elle pour aller coloniser les Noirs là-bas. Et puis on pleure, la France nous colonise. Et puis on se plaint. Mais c'est la même chose. Le Djoulin, il quitte au nord de la Côte d'Ivoire et il vient te coloniser à l'ouest. Tu es là, gardien du temple. Tu passes ton temps à dire gardien du temple. Pendant ce temps, lui, il occupe. C'est ce que les Noirs ont fait. Et puis les Blancs les ont colonisés. Pendant que les Noirs, ils étaient dans la pépée. Ils dansaient, les Blancs, ils étaient sur le terrain pour analyser le sol. Ou qui est riche, ou qui n'est pas riche. Pour piller. Et aujourd'hui, au moment où on voit que c'est trop tard, c'est ça, le peuple de l'Ouest. Au lieu d'ouvrir ses yeux, non, ce peuple préfère dire gardien du temps, Gbagbo ou rien. Pendant ce temps qu'il est là, dit Gbagbo ou rien, gardien du temple, les gens du Nord, ils occupent le terrain. Ils occupent le terrain. Ils partagent des documents à des gens pour occuper le terrain de l'Ouest, pour envahir l'Ouest et pour avoir une influence sur l'Ouest. Et à un moment donné, d'ici, ils vont dire 15 ans, l'habitant de l'Ouest n'aura plus d'influence sur son propre territoire, puisqu'il aura un autre peuple qui va l'influencer là-bas. Pour influencer, pour contrecarrer ça, là, il faut gérer la mairie, la sous-préfecture, parce que c'est là-bas, là, à travers là-bas, on fait les documents. Mais si ça t'échappe, mais lui qui contrôle là-bas, là, il peut donner des documents à n'importe qui. Et après, tu vas dire, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup... Mais oui, parce que tu n'as pas voulu contrôler ta mairie et la sous-préfecture, ainsi que la préfecture. Hein? Mais... qu'est-ce que tu veux en retour? Mais en retour, mais tu vas obtenir ce que tu vas obtenir la surprise. Tu seras surpris de voir ton secteur envahi par des envahisseurs à qui auquel tu ne t'attendais pas. Donc voilà le vrai problème. Je ne sais pas. Vous pouvez appeler. Scandale dans la famille ivoiro-centrafricaine. Un résumé de l'histoire dans la famille. Gueye, c'est déjà fini. Gueye, tu dis n'importe quoi. Souleymane Gueye, je ne dis pas n'importe quoi. Toi, Souleymane Gueye, toi, ta région, je ne sais pas, c'est où? Au nord. Peut-être que tu habites dans une région du nord. Imagine que dans la région du nord, les Didas, ils quittent ici. Et puis, ils s'en vont dans ta région du nord. Là, ils deviennent maires. Ils deviennent préfets. Ils deviennent sous-préfets. Ils deviennent commissaires. Mais attends, mon frère. Est-ce que toi, tu vas accepter ça? D'ailleurs, même le problème, chez vous au Nord, quand quelqu'un il n'est pas du Nord, il quitte ici, il s'en va battre campagne, vous l'agressez, vous tombez sur lui, vous le tabassez, vous cassez tout. Vous agressez même ceux qui partent battre campagne là-bas. Donc, à quoi ça, les autres ethnies, ils n'arrivent même pas au Nord, ils ne partent pas au Nord pour battre campagne.
Parce que c'est un endroit qui est dangereux. Vous les agressez, vous les chassez. Souvent même, vous les tuez. Et quand c'est comme ça, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que vous ne voulez pas laisser une autre ethnie venir dominer chez vous. Voilà, c'est ça le problème. Les nordistes sont de la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas voir les autres ethnies venir gouverner chez eux. Alors, pourquoi nous, de notre côté, on devrait aussi vous laisser venir gouverner chez nous? Et c'est ce qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi on rappelle les gens de l'Ouest qui suivent Sangaré, qui disent Gbagbo Orien, gardien du temple, qui ne se rendent pas compte que l'Ouest est en train d'être colonisé par les nordistes, est en train d'être envahi par les nordistes. L'Ouest, ils sont en train de partager les documents à des gens qui n'avaient pas des documents, qui se baladaient partout en Côte d'Ivoire. On leur donne des documents pour dire qu'ils n'ont qu'à aller s'installer à l'Ouest. Mais c'est le sous-préfet qui donne, qui signe sur l'acte de naissance. À la mairie, c'est là-bas, on vend les timbres. Et si ces deux lieux sont contrôlés par quelqu'un qui n'est pas de votre ethnie, qui quitte ailleurs et qui veut avoir la popularité et vous influencer là-bas, vous devez comprendre qu'il y a un danger. Et c'est Sangaré qui favorise ça. Donc voilà la question. Est-ce que Sangaré joue réellement le vrai jeu du FPI ou favorise le RADP de Ouattara à pouvoir envahir l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est son deal qu'il a signé à Ouattara? Voilà la question. Donc à vous de voir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Guillet. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, comment je vois? Oui, on vous écoute. Oui, je vous participe à votre émission là. Oui, on vous écoute. Ah, ok. Bon, tu as employé des thèmes là, vraiment, franchement, moi, je ne vois pas ça comme un discours vrai, hein, franchement, mais quand il dit non, les non-distos envoient les régions. Exemple comme ça, moi je vais te donner un tout petit détail sur Daloa. Oui. Tu as connu Braganon quand même. Braganon, c'était un bêtise de Daloa. Oui. Voilà. Braganon, il a géré Daloa pendant combien d'années? Mais il n'a rien foutu à Daloa. Oui. Jusqu'à même à chacun, c'est là que Daloa est retourné ses papiers. Oui. Tu attendais, tu sais ça très bien. Il n'a rien foutu à Daloa. Mais Braganon était parmi les 7 milliardaires en Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Tu me dis que non, c'est les nordistes qui vont gérer Guinwa, machin, tout ça. Depuis tant de bédiers, ou comment on appelle, Babou même là, c'est les nordistes qui gèrent tant de Babou. Oui. C'est tant de Babou très bien. Le RDA gouvernait déjà à Guinwa déjà. Quand tu dis non, c'est Abdrama Sangaré, il vient faire que non, les nordistes vont équiper les villes, tant ça, c'est des trucs vraiment. Nous sommes dans un temps que non, quand tu parles comme ça, c'est comme une histoire de. Comment on appelle, différencier encore, mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens encore. Déjà, si les nordistes sont là-bas, ils vont faire les mosquées, ils vont envoyer les territoires, ça va, ils vont arracher les territoires, machin, tout ça là. Non, c'est pas vrai, mon frère. En tout cas, venir d'arracher chez toi comme ça, quelqu'un qui va venir chez toi, vivre chez toi et venir t'arracher, cracher chez toi, ça chiffre. Mais les gens de l'Ouest, mais ils vont vendre les terrains aux gens. Quand tu finis de payer, mais après, ils vont venir t'arracher le terrain. Quand tu vois la crise de Koué, là, ça s'est aggravé, là, c'est ce côté. La crise de Koué, si tu vois que ça s'est aggravé, c'est ce côté. C'était un règlement de compte entre eux-mêmes de là-bas. Oui. Je comprends. Oui. Tu vas me vendre ton terrain. Ton grand-père va me vendre ton terrain. Les gens vont employer le terrain. Quand ça va réussir maintenant, quelqu'un va quitter ailleurs là-bas pour venir. Non, il faut quitter sur le terrain. C'est pour mon grand-père. Il n'a pas vendu le terrain. Alors, tu sais bien le père qu'il a vendu le terrain. Alors, le monsieur finit de travailler. Maintenant, quand le cacao est bien poussé, maintenant, toi, tu viens le chasser. Oui. Mon frère, c'est pas normal. À Djokoué, c'est ça qui a aggravé la crise à Djokoué. Oui. Il n'essaye pas pour dire que non, il faut forcément être le guéri ou bien le Wendou, ou bien le BD pour pouvoir gérer chez toi, que tu vas développer chez toi. Ça, c'est faux. Mm-hmm. Hein? À Boaké, qui gouverne Boaké? Depuis tant de Babou. Question. Daloa, même chose. Genwa, même chose, depuis tant de Babou. Mm-hmm. Hein? Ouattara, il a mis Guédé Djina. Tu as connu Guédé Djina?
Adaloua, On vous écoute. Guéré-Guina, Ouattara a remplacé Guéré-Guina. Guéré-Guina était le maire d'Adaloua. Guéré-Guina, c'était un bété. Mais quand Guéré-Guina est décédé, les bétés, ils ont détesté Guéré-Guina. Même pour enterrer Guéré-Guina, mais c'était un problème dans son village. Lui, c'était un bété. Mais Guéré veut développer chez lui. Si c'est nos parents bêtés, les trucs, ils ont un problème vraiment, c'est trop taré dans leur tête. La politique, c'est pas une histoire d'ethnie, mon frère. C'est pas une histoire d'ethnie, tu vois, non? Oui. Voilà, mais on a trop mis à faire des histoires d'ethnie dans nos têtes, c'est ça qui nous fatigue beaucoup. Oui. Tu comprends? Oui. Exemple aussi, comme on appelle Yopougon. Oui. Le président, il était là, mettre le goudron Yopougon là-bas. Tu sais qu'il y a des gens qui passaient casser le goudron là-bas parce qu'ils ont faim. Ils ont cassé le goudron en cause à Yopougon là-bas. Ils ont pris des pioches pour aller casser le nouveau goudron. Casser le goudron là-bas, il va partir, il va aller le goudron. Le goudron là-bas, il n'habite pas à Yopougon. Oui. Yopougon, c'est chez nous-mêmes, c'est pas chez Ouattara. Mais pourquoi on va casser là-bas? Question. C'est méchant de notre part, mon frère. Il faut qu'un leader s'y en était dans notre tête. On n'a pas essayé d'avancer le pays. Oui. Non, c'est ce que moi, je voulais vous dire. Moi, je n'ai pas dit que politique de. Comment on appelle Sangaré, me plaît. Politique de Sangaré, bon. Moi, je vois que chacun a ses raisons, mais il ne faut pas empêcher les gens de ne pas aller voter. Quand c'est comme ça, on sait qu'ils mettent des militants à l'État. Ça, en tout cas, si ce côté, je suis d'accord avec vous. Oui. Voilà, je suis d'accord avec vous par là. Il ne voulait pas empêcher les gens d'aller s'enrouler pour pouvoir voter. Parce que si tu veux un changement, il faut aller voter. Et sans le vote, tu ne peux pas faire un changement. Parce que quand l'autre va gagner, maintenant, c'est pour dire encore non, ils ont volé, ils ont fait. Alors toi, tu n'as pas le voté. Tu n'as pas le voté. Après, tu as 21 ans, ils ont triché. Si ce côté, en tout cas, ils sont d'accord pour lui. Ok, nous vous remercions, frère. Merci, merci. Idem pour vous, frère. Donc, l'antenne est ouverte pour ceux qui veulent intervenir. Voilà, donc nous sommes là. On vous écoute, frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde va bien. Bon, Gio Papi, voilà, allô Gio Papi, oui, bonsoir frère. Comment ça va? Ouais, ça va bien chez vous. Ah oh, ouais, ça va bien, merci. Merci beaucoup. Ouais. Ah ouais, je voulais intervenir un peu là pour vraiment donner un peu ma contribution. Oui, nous vous écoutons. Sur le sujet, voilà. La première chose que je voulais dire, c'est que aussi longtemps que tu parleras de Sangaré, Sangaré aura la popularité. Oui. Mais dans toutes les vidéos, hein, c'est pas aujourd'hui que je fais la remarque. Hein. Oui. Mais aussi longtemps que tu parleras de Sangaré, avec Vergogne, avec Fougue, ou bien avec Force, je sais pas, mais aussi longtemps que tu le feras, donc c'est pour dire que quel que soit le bord politique que tu as, oui, ce n'est pas important de venir le minimiser ou bien de venir l'insulter ou bien le vilipender sur les réseaux sociaux. Parce qu'en le faisant en même temps aussi, effectivement, amen. Il a aussi une cote de popularité. Oui. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Oui. Donc, et puis maintenant, affaire de boycott là, le boycott que les gens du FPI ont fait ou bien les Sangaré ont fait, mais ils ont leur raison. Oui. Ils ont leur raison. Puis bon, ce n'est pas qu'ils ont tort, ce n'est pas qu'ils ont, ils ont forcément raison, mais ce que je suis. Ils ont fait leur politique à leur manière. Mais il y a beaucoup de questions à se poser. Oui. Il y a beaucoup de questions
à se poser dans le sens de la réconciliation, par exemple, Oui. dans le sens des élections. Parce qu'aujourd'hui, là, si on dit qu'on va aux élections, mais si on Oui. dit qu'on va être à la réconciliation, il faudrait forcément que tout ce qui est palabre ou bien un peu de friction s'apaise. Oui. Ça, là, c'est la première des choses. Oui. C'est la première des choses. Il faudrait que tout s'apaise d'abord avant qu'on ne parte à la réconciliation. Donc, la sortie du balancement Gbagbo, là, souvent aussi, faut pas aussi prendre ça à mal, mais c'est aussi important. Le fait d'être apaisé, de parler de soi de Dieu ou bien de choses, c'est très important parce que tellement que tout le monde est gonflé, tout le monde Oui. est énervé, tout le monde est énervé, tu ne peux pas réconcilier les gens dans ça là. Tu ne peux pas réconcilier, tu ne peux jamais réconcilier. Donc il faudrait d'abord apaiser, quitte à Oui. elle de prendre son chemin, quitte à elle de prendre sa voie, en passant par Dieu ou bien en passant pour justement apaiser le cœur. Et puis maintenant, Oui. après ça, maintenant, bon, on peut aller à la réconciliation. Mais imagine-toi que si elle venait, et que si elle prononçait des discours guerriers, Oui. comme certains la connaissent, comme certains le veulent, ou bien Oui. si elle prononçait un peu des discours de soumission, tu vois, non? Oui. J'allais encore deux pour que la réconciliation n'allait jamais arriver. Mais comme le juste milieu, un peu, c'est un peu Dieu qui est un peu le milieu, Oui. donc, à ce moment-là, il faudrait qu'elle sache un peu parler. Elle sache beaucoup mieux parler pour pouvoir apaiser un peu sans frustrer Oui. ni à droite ni à gauche. Donc, moi, pour sa sortie, hein, je pense que ce n'est pas trop à critiquer, mais c'est déjà un bon pas. C'est Oui. déjà un bon pas pour avancer. Mais en tout cas, il faudrait l'encourager parce que de toutes les manières, peut-être que psychologiquement, ce n'est pas trop ça, Oui. mais c'est depuis déjà là. Pas trop forcer, bien trop tirer sur elle. Tu vois, non? Oui. Si vous le faites, je pense que c'est un peu méchant parce qu'elle a subi des choses que nous autres, on n'a pas subi. Donc, le fait que, bon, vraiment, il faut vraiment être un peu indulgent. Il faut vraiment regarder la suite des choses. C'est vrai que, d'un premier temps, ne pas venir sortir et puis de la prison, puis directement venir parler de politique. Oui. Va venir parler de Assa Ouattara, c'est un sanguinaire, ou de Assa Ouattara, c'est un ceci, cela. Non, on ne peut pas le faire. Oui. Il y a une méthode. Il y a une méthode. Allô? Maintenant, il arrivera un moment donné où elle va faire la politique pure. Ce Oui. moment-là, ce n'est pas à 2 jours, mais à 3 jours de sa sortie, quand même. Soyez un peu indulgents. Et ça, là, c'est ce que vous faites là, sur les réseaux sociaux. Et comme on dit que c'est méchant. C'est Oui. méchant en tant que cyberactiviste, c'est méchant en tant que chose. Mais tu n'es pas le seul, en fait. Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais dans un problème, il faut toujours prendre du recul avant de critiquer. Tu vois, non? Oui, Peut-être oui. qu'elle est sortie, tu n'as pas été la seule personne, mais beaucoup de personnes. Mais pourtant, aujourd'hui, là, depuis la première sortie, il y a des gens qui ont dit non, elle n'a pas fait 1 minute de silence. Ça fait débat, sujet à discussion. Mais après la minute de silence, après, mais je dis qu'il faudrait vraiment ne pas chercher à faire de polémique, tu vois, dans la politique, là où il n'y en a pas. Parce que le temps a toujours raison des hommes. Tu vois, non, les hommes, on a toujours le temps de faire, beaucoup de choses dans le temps. Oui. Bon, souvent, ce sont des critiques un peu, ce sont un peu des critiques. Tu sens pour moi, un peu inutile. Tu Oui. vois, non, c'est un peu inutile. Mais elle fait un peu son petit chemin. Son petit chemin, 2 semaines déjà. Elle va arriver dans 1 mois. Elle va arriver dans 3 mois. Elle va arriver Oui. dans 6 mois. Au fur et à mesure, bon, on va maintenant les choses, l'évaluer. L'évaluer. Mais à 1 jour, à 2 jours de sa sortie, vraiment, c'est méchant. Bon, maintenant, le problème de Afine Guessant que tu as posé. Oui. Le problème d'Afrin Guessant, tu sais, en insultant Sangaré, là, tu ne fais pas du bien à Afrin Guessant. Ça, je te dis la vérité en tant que frère. Oui. Si c'est pour la popularité d'Afrin Guessant que tu cherches en insultant Sangaré, là, tu ne vas pas gagner. Mais ça ne va pas aller de plus.
Non, moi, c'est vraiment un conseil. Hein. Ce n'est pas celui que je conseille pour venir insulter Sangaré à chaque fois. En Sangaré, là, tu ne peux pas gagner la bataille d'Afrique, jamais de la vie. Ce qu'il faut faire, dans ton langage, là, il faudrait vraiment essayer d'amener les gens à les deux bords. C'est-à-dire que le côté Afrique ou le côté Sangaré à se réconcilier. Parce que mine de rien, c'est quand même un sujet activiste que quand même tout le monde écoute. Mais si tu prends un côté carré, si tu prends ce côté carré là, tu vois, non, tu ne pourras pas, en tant que sujet activiste, tu vois, non, essayer d'amener la réconciliation de ces deux tendances-là. Or, pourtant, c'est ce que je pense que tu dois faire en tant que sujet activiste. Mais si tu ne veux pas le faire, bon, moi, je ne peux pas te blâmer. Mais il faudrait toujours penser à choses, à les réunir. Que d'injurier un camp, hein, ça ne va jamais résoudre le problème. Ça va jamais résoudre le problème. Parce que les critiques que tu dis à choses là, à Sangaré là, il y a aussi plein de critiques. Les gens aussi peuvent aussi contre Afi, hein. Tu vois, non? Et ça là, ça ne va jamais arriver quelque part. Ça ne va jamais arriver quelque part. On ne peut pas se réconcilier même au sein du FPI dans ça. Or, pourtant, pour aller à la réconciliation là, nationale, là, il faudrait au préalable qu'on se réconcilie d'abord au sein du FPI. Mais avec ton langage que tu continues toujours d'accuser, d'insulter, Sangaré, un veillard, un sorcier, hein, c'est un djoula ou bien, bon, c'est pas tout ça là. Ça ne va pas à la réconciliation. Mais tu dis que pour aller à la réconciliation là-bas, il faudrait au préalable que le FPI là-bas se réconcilie d'abord. C'est ça le tenant. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on parle de la réconciliation tout le monde ensemble. Donc il faut un peu mettre un peu d'eau dans ton vin. Non, ne pas tous attaquer parce que bon, ce n'est pas une, on n'est pas en campagne actuellement. On n'est pas en campagne. Mais ce que tu fais là, tu vois, non, c'est un peu hein, l'aigreur, le dénigrement. Bon, je vois pas vraiment où tu t'en vas avec ça. Et puis, bon, où ça va nous arriver? Où on va arriver avec ça? Tu vois, non, donc, il faut vraiment, 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 vraiment changer. C'est vrai que Sangaré a fait des erreurs. Afi aussi a fait beaucoup d'erreurs. Jusqu'à présent, mais il en continue. Sangaré aussi en continue. Mais le fait de prendre un camp là, si tu veux trancher un problème là, il faut vraiment prendre un peu le milieu. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Non, je prends un camp. Nous, on est là aussi, on réfléchit. Moi, j'ai mon camp, mais je ne vais pas vraiment venir expliciter ça et puis prendre et puis insulter, injurier, traiter les gens de sorciers, de vieillards, du manchin, du manchin, du manchin, ça là, tu ne pourras jamais résoudre un problème avec ça. Mais c'est une attitude. Ok. Nous Donc, vous il faut laisser un peu, remercions, Monsieur Joe voilà, faut Papi. laisser un peu Sangaré, voilà, faut laisser un peu Sangaré un peu tranquille. Donc, la seule personne que moi je souhaiterais que tu choses, que tu les vérifies que tu les vérifies sur les faits, c'est plutôt Ouattara. Voilà. Si lui t'attaque à Ouattara sur les faits, avec ses promesses qu'il a dites et qu'il n'a pas fait, là au moins, c'est chose. Mais s'attaquer encore, hein, c'est pas gentil en fait. Ok. C'est pas gentil. La pauvre dame, là, elle est sortie il y a 2 jours. Même jour, elle est sortie. Même jour, là, elle est sortie. Son premier jour, il a fallu que tous les cyberactivistes, dans tout le monde entier des Ivoiriens, tous les cyberactivistes, ils ont tous parlé. Ah oh, non, elle est comme ceci, elle est comme cela. Une semaine après, on voit maintenant tous les gens qu'elle reçoit, les musulmans, les imams. Hein? Les gens de tout l'intérieur viennent voilà, à telle enseigne qu'elles-mêmes là-même n'avaient pas eu même le temps même de partir, mais eux-mêmes les rencontrer. Là, il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas se presser dans l'histoire de parler, de parler là. Quand tu parles, il ne faut pas se presser pour parler. Vous dites là, elle a fait honte à beaucoup de sites activistes. Les gens même ont fui. Il y a des gens qui ont fui maintenant sur tous les réseaux. Hein? Tous les réseaux, ils ont fui parce que bon, elle est venue là. Tu vois, non? Donc, il faut prendre de la hauteur et puis de la lenteur dans tout ce que on veut dire. C'est vrai que Ok. Facebook nous encourage, mais vraiment, il faut prendre beaucoup de lenteur. Voilà, Ok. mon frère. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Ok, Bon, c'est pas tout ça, mais en tout cas, on je
non, vous. excuse, si au moins il est offensé, mais Non, pas du c'est pas pas c'est votre droit de vous exprimer, donc il n'y a pas de souci. Je vous En tout cas, remercie merci beaucoup, infiniment. frère. Ouais. OK. Oh. Donc, cette vidéo, ce n'était pas pour durer. C'était juste une petite vidéo pour expliquer ce petit côté-là. Donc, je pense que j'en ai déjà terminé. Et nous allons mettre fin à la vidéo. Voilà. Demain, je ferai une vidéo sur mon deuxième Facebook, pas celui-ci, sur l'autre Facebook. C'est là-bas qu'on va faire le direct. D'accord. Mon deuxième Facebook. Mais je vais la partager sur ce Facebook. Donc, ceux qui sont amis avec moi ici, ils verront cette vidéo. Mais je vais faire le direct sur mon second Facebook. Donc, ciao, ciao. Je vous aime. Passez une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. On est ensemble, c'était l'incontournable.